Bonjour, je m'appelle Félix Marito, j'ai 25 ans et vous pouvez me voir à l'affiche de Sauvage le 22 août au cinéma. Pourquoi t'embrasses les clients ? Bah, je sais pas, ça me dérange pas. Rien dire, ça me dérange pas. C'est pas une question de déranger. Des fois, j'ai l'impression que t'aimes ça, faire la pute. Et alors ? Un acteur brut, un rôle d'une rare intensité, celui de Léo, 22 ans, prostitué. Les hommes défilent, les corps se déchirent. Félix Marito met son corps et son âme à nu et s'impose comme l'une des révélations de ce festival de Cannes. En décembre 2015, j'ai reçu un message pour passer le casting de 120 battements par minute. J'avais jamais joué, j'avais jamais eu d'expérience, j'avais jamais même pensé à être acteur. Donc là, j'ai commencé à apprendre le métier d'acteur, c'est-à-dire à apprendre à jouer, à apprendre à donner des choses, à apprendre aussi à servir à quelque chose, tu vois, simplement. C'est un truc de service d'être acteur, c'est-à-dire que tu donnes ton corps pour un film, un personnage, et voilà, c'est assez noble, quand, tu vois. Pose ça là, chérie. Pose ça là. T'es sur les nerfs, toi. Tu dégages maintenant, je veux plus te voir ici. Fou, lui, hein. Ça fait quand même depuis les années 40 qu'il y a des artistes qui font n'importe quoi avec leur corps pour produire de l'art. Et du coup, quand t'as conscience de ça et que t'as un peu de courage, au bout d'un moment, t'arrives à relativiser les choses. Après, ce qui était le plus dur, c'était pas la nudité, c'était plutôt la manipulation du corps. Tu vois, il y a beaucoup de scènes où on me touche, il y a beaucoup de scènes où... tu vois, enfin, t'avais des acteurs qui passaient qu'une journée sur le tournage et t'as une journée où on te touche, on te manipule, tu vois, ça c'était le plus dur, je pense. Parce qu'au bout d'un moment, t'as besoin aussi de te protéger. Tiens, c'était dans mon téléphone. J'ai pas de téléphone, moi. T'en as un maintenant ? J'en veux pas, tu veux que j'appelle qui ? C'est quoi un rôle difficile, quoi ? Enfin, la vie de ce mec, elle est difficile. Moi, être payé pour le faire, c'est hyper facile, quoi, tu vois ? Enfin, je veux dire... D'ailleurs, j'ai pété un plomb sur le tournage à la fin. J'ai totalement craqué, je voulais plus porter de protection pour les cascades. Je disais, mais vous vous rendez compte, quand même, je suis payé pour faire ça, alors que lui, il le vit, enfin, tu vois, il y a un truc comme ça, tu vois, donc non, c'est pas difficile. Ça demande juste de l'honnêteté, un peu d'empathie. Voilà, c'est peut-être ça qui est difficile, l'empathie, c'est peut-être difficile, ouais.